bien, salut à tous et bienvenue mes chers amis gamers pour cette toute nouvelle vidéo sur la série de Black Ops 4. Aujourd'hui on va faire de l'élimination confirmée, j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir. En tout cas pour ma part je prends énormément de plaisir à jouer à ce Black Ops 4. Je vous rappelle, pour moi c'est comme si je jouais à un Black Ops 2 à l'époque. Déjà Black Ops 2 je l'avais saigné mais un truc de fou. Et là de retrouver un Call of comme ça, ça fait vraiment plaisir. En tout cas la communauté sur PC elle est vraiment pas mal, ça s'insulte pratiquement pas, ni rien. Ça change un peu des consoles, parce que c'est vrai que sur console, il y a beaucoup de français et tout, et ça s'insulte, mais un truc de fou. Et là, pour l'instant, ça va, il n'y a pas trop d'insultes ni rien, c'est plutôt dans le fun, c'est un peu comme sur PUBG, c'était du fun aussi. On rigolait pas mal. Bref, c'est parti, on va jouer avec Torquier, tiens. Okay, c'est parti. Et on va sélectionner bah, cette petite classe-là, le ICR-7, avec viseur réflexe, balle chemisée, poignée, canon... Pillard, fonceur, fantôme et le Mosu en arme secondaire. Ça ira très bien. Faut juste que je m'habitue à jouer avec cette classe là parce qu'elle est vraiment pas mal. Surtout à longue distance, elle est vraiment bien. Après à courte distance, c'est vrai que ça peut être la galère comparé à une mitraillette, mais ça devrait le faire. Normalement sur cette map, il faut privilégier la mitraillette. Elle place plutôt bien, tu passes sur le côté droit et tu enchaînes les adversaires. Il y en a toujours un normalement ici. Sérieux, y'a personne? Bon. Bah écoutez, s'il y a personne, on y va. On a l'avantage. Ils sont passés dans notre camp, mais on va essayer de passer par là. On perd le combat. Bien joué ça. Éliminé. On est en train de gagner. On met ça juste ici. Je crois qu'il y a eu le grappin, non? Il me semble avoir entendu le grappin. Peut-être rêver, hein. Oh non. Ah là là. Et ça c'est chiant. J'essaye de sauter mais en fait ça fait de l'animation. Il va peut-être falloir que je règle ça parce que... C'est chiant. Parce que là du coup je me fais tuer parce que bah, ça fait de l'animation et non ce que je voudrais faire exactement quoi. Il est sur le côté. Est-ce qu'il va passer par là? Oh là là, bien joué. J'ai voulu le tuer pour pas qu'il le fasse son... sa capacité mais ça n'a pas fonctionné hein. Il m'a bien cramé avec sa radiation. Wow. Derrière lui, il voit pas, il voit pas, il est con. Il y en a un qui va prendre le badge normalement ici. Attention, balise tactique ennemie active. Non, ils le prennent pas. Recon abattu. Ok. C'est d'escape, il y a le mec derrière quoi. C'est chiant. Ça marchera jamais. Une cible en moins. Il a pas vu qu'il y avait un mec. Et les autres, ils laissent passer. Non mais c'est quoi ce bordel? Je comprends pas ce qu'ils font des fois. Ah, il y en a deux. Ouais. Je sais pas s'il va rester campé là ou s'il va bouger le mec, mais il va falloir qu'on le fasse décamper parce que là. Ouais. Ils ont pris mon petit grillage. Il m'a pas entendu. Salut toi. Ils vont venir par là. Peut-être aussi derrière mon dos. Ah non. J'avais bien raison, barricade. Il a dû contourner. Ah non, c'est le fil barbelé qui prenne. D'accord, ok, rien à voir. My bad.
Et lui, il faut le suivre. Oula, lance-flamme. Attention, balise tactique ennemie active. File en place. Ah, je suis piégé, je suis piégé. J'ai eu Recon. Wow. Ok, on se casse. On a détruit leur balise tactique. Salut. Ils vont venir, non? Ils m'ont pas poursuivi? Sérieux? Pourquoi ils m'ont pas poursuivi? Détecteur lancé. Pourtant. Ça c'était beau ça. On a sûrement derrière mon dos. Logiquement. Oh là là, ils sont enchaînés. C'est bon, ils les ont eu. Wow, wow, je vais me faire tirer dessus. Wow, wow, wow. Ça va leur pourrir la journée. Ils ont grimpé. Je crois qu'ils l'ont vu. Ici, non, je vais essayer de le tuer. Je l'ai eu. Je sais pas si ça va marcher. Ouais, si ça marchait. On va faire ça. Et on va faire ça. Je vais peut-être me faire tuer. Hein. C'était magnifique. Nice. Oh non! Il est mort. Sans effet. Ils sont en déroute. La victoire est à vous. Avion d'assaut disponible. Wow. Bon, ça c'est que je vois personne. Ah. Oh les mecs, je les ai enchaînés. Wow. Remarquable exécution, Punisher 1-2. Ils ont rage kit. Ok. Bon ok, bah écoutez mes chers amis, un petit 35-4 c'est plutôt pas mal. Franchement j'ai débloqué la première fois cette espèce de série, je sais pas ce que c'est, on va regarder ça ensemble, je me rappelle plus du score streak. C'est juste monstrueux quoi. En tout cas j'ai débloqué le missile, l'espèce de Warzok. Et le dernier je crois que c'est un avion de chasse, si je dis pas de bêtises. On va regarder ça ensemble. Oh comment il les a enchaînés le mec. C'est la première fois que je débloque l'avion de chasse. Il va falloir que je me mette en muet parce que c'est terrible les spams comme ça sur Discord. Attendez, on va regarder ça ensemble, je me rappelle plus ce que c'est que ce petit score streak. Eh bien, re les amis, excusez-moi, donc il y a eu un petit souci, le téléphone qui a sonné, ça commence à être l'habitude. C'est très souvent lorsque je fais une vidéo que le téléphone sonne, c'est toujours comme ça. Donc c'est bien ça, donc on a débloqué le Hellstorm, on a débloqué le Foudroyeur, c'est équivalent au Wardog, je crois. Et on a débloqué donc l'avion d'assaut, et c'est pas l'avion de chasse, c'est bien un avion d'assaut. Donc prenez la place de l'artilleur dans un avion d'assaut envoyé en soutien aérien. Donc c'est juste monstrueux. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, de commenter au maximum également, et de la partager. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.